J'applaudis l'extension, elle va être exceptionnelle. Là, nous sommes en avant-première. J'ai eu, en tout cas hier, bonjour à vous, au fait. Désolé, j'ai oublié de vous saluer, mais c'est sous le coup de l'émotion, vraiment, cette extension. Je dis toujours, un peu pour vous provoquer, évidemment, vous me connaissez, je dis toujours, c'est la meilleure extension de tous les temps. Mais c'est vrai que depuis quand même plusieurs années, à chaque fois, les extensions, elles sont de mieux en mieux. Et celle-ci, véritablement, ce sera la meilleure extension de tous les temps. Mais même, c'est même possible qu'elle soit meilleure que la suivante, vous voyez ? Parce que là, vraiment, on atteint un niveau qui est stratosphérique. J'ai eu la chance hier de pouvoir participer à l'avant-première de l'extension, c'est-à-dire que j'avais pendant 6 heures la possibilité de jouer contre les développeurs, contre d'autres créateurs de contenu avec les nouvelles cartes. Donc, j'ai fait un maximum de decks. J'ai fait 8 decks. En tout, j'avais fait 11 decks, mais il y a vraiment 8 decks que j'ai joué avec présentation de decklist et gameplay derrière. J'ai essayé de jouer plus de decks que d'habitude. Alors pas forcément parce que j'avais envie de jouer plus de decks que d'habitude, mais quand, en général, avant la première, et j'en avais parlé, je fais pendant 4-5 heures du deck building. Et là, c'est vrai que, bah, en fait, il y avait plein de decklists que j'avais envie de tester. Il y avait plein de decklists qui changeaient. L'idée, en tout cas, moi, c'est mon... J'essaye de fonctionner comme ça. Je mets en avant l'extension. J'essaye de mettre en avant les nouvelles synergies. C'est aussi le but d'une avant-première. C'est aller au fond de l'extension, tester de nouvelles choses. Et là, c'est vrai que dans chaque classe, même parfois dans une même classe, il y avait vraiment plusieurs decks totalement différents des anciens. L'idée, c'était vraiment de faire des choses totalement différentes, des choses qui n'existaient pas avant. Et c'est pour ça que je pense qu'elle va vous plaire, cette extension. Parce que j'ai eu vraiment des émotions nouvelles. J'ai vraiment découvert à la fois des choses qui existaient avant, mais vraiment totalement remis au goût du jour, et à la fois des choses totalement nouvelles avec les vaisseaux, par exemple, avec certaines synergies. Donc, vous allez voir, il y aura 8 vidéos sur l'avant-première, 8 decks différents. À chaque deck, sur chaque vidéo, il y aura une présentation de la decklist. Ce seront donc des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, 20, 30, 40 minutes. Voilà, et je pense que c'est vu qu'il y en a une par jour, plus la vidéo Battlegrounds tous les jours. Voilà, l'idée, c'est pas de faire non plus un volume de 2-3 heures de vidéos à regarder tous les jours. Tout le monde n'a évidemment pas le temps de faire ça, et le but, c'est pas de sortir des vidéos pour pas que les gens les regardent, parce qu'il y en a qui ont envie de regarder toutes mes vidéos, mais finalement, bah, ils sont un peu submergés par le flot de vidéos que je propose. Mais bon, je pense que c'est quand même pas mal d'essayer de proposer un maximum de contenu. Bref, l'important, c'est que ce soit qualitatif. Ce que vous allez voir là dans cette première vidéo, c'est le guerrier Draenei, un guerrier agressif qui ressemble un peu au guerrier dragon qui existait il y a 5-6 ans, voire 7 ans. Un truc très tempo, hyper agressif, hyper régressif également, dégressif même. Mais vraiment, c'est une pépite. Je pense qu'il y a des cartes qui peuvent être nerfées, qui peuvent être bannies, enfin bannies peut-être pas, mais qui peuvent être vraiment nerfées de ce deck, parce qu'il y a un sentiment de puissance qui s'en dégage. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, il y aura, je pense, dans 5, 6, 7 jours peut-être, il y aura le Tavern Brawl, où on va pouvoir, c'est ça, hein, je crois que c'est à la fin du mois, on va pouvoir jouer finalement un peu avec, en tout cas je crois, si j'ai compris, on va pouvoir ouvrir nos boosters en précommande et créer des decks avec, et ensuite faire le Tavern Brawl. Et le Tavern Brawl nous donnera des petites récompenses. Et voilà, le guerrier Draenei, c'est vraiment envie. C'est un deck que j'ai envie de rejouer tout de suite là. J'ai pas envie que l'extension sorte, j'ai envie de le tester avant. Et peut-être que Tavern Brawl, je me chaufferai à le jouer. Parce que voilà, deck exceptionnel, vous allez voir. Je crois que je fais 5 ou 6 games. Et puis voilà, chaque jour donc il y aura une vidéo, vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que cette extension va vous plaire autant qu'à moi, même si elle n'est pas encore sortie, mais voilà, elle est pleine de promesses, et je pense qu'on va vraiment s'éclater à tester plein de choses, et vraiment les nouveaux mots-clés, les nouvelles synergies, je pense qu'elles vont vraiment bien fonctionner, et c'est ça aussi l'idée, hein. C'est pas que les anciens decks restent dans la méta, faut vraiment que la méta se transforme, et je pense qu'on va voir une véritable transformation de la méta. Bref, merci à tous, pardon, de suivre toutes mes vidéos, et je vous souhaite un délicieux visionnage. Donc, présentation du deck dans un premier temps, le Full Draenei Guerrier, c'est la classe qui a reçu le plus de Draenei et qui combotte le plus avec. Donc l'idée, c'est de jouer un deck aggro, un peu comme justement a été les guerriers dragons à l'époque, qui jouaient vraiment beaucoup de créatures. Donc bah forcément, énormément de cartes de la nouvelle, avec tous les Draenei qui vont faire souvent des effets sur ceux d'après. Par exemple celui-là, +2/+1 à celui d'après. Lui, il va copier le dernier Draenei, alors c'en est pas un, mais il va copier le dernier Draenei que vous avez joué.
Lui, au début du prochain tour, on fait une découverte d'un sort. Lui, il va donner plus de PV et ruer au prochain. La masse, dès qu'on attaque, on donne 2 d'attaque à tous les Draenei dans la main. Le petit mécanicien, salve. On permet. Alors, j'ai pas beaucoup de sorts, mais ça reste quand même pour 2, une 2-1, Boubou Divin, Draenei, donc c'est intéressant. Lui, c'est la clé. Commandant Tech Ramoisi pour 3-4-3. Cri de guerre Herald Agony, il va donner +1/+1 à l'ensemble des Draenei dans la main. Bon, Gorgon Zormu évidemment dans un deck aggro, c'est cool. Sergent d'expédition, le prochain que vous jouez attaque immédiatement un personnage adverse aléatoire. Évidemment très combo avec Justicière Inébranlable qui est totalement dingue. Pour 4, 7-2, insensible en attaquant et à la fin de chaque tour échange l'attaque et les PV de ce serviteur. Donc au tour adverse il va être 2-7, donc difficile à aller chercher, pendant notre tour il sera 7-2. Journal du Capitaine, on va piocher 2 et ça va coûter 1 de moins pour chaque Draenei que l'on contrôle. Le prochain Draenei que vous jouez donne son attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. L'éclaireuse qui gagne 2 effets bonus et le prochain gagne également 2 effets bonus. La légendaire qui dit une fois que ce serviteur a attaqué, tous les autres serviteurs alliés peuvent attaquer à nouveau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis par le fiel et les flammes qui permet d'avoir la ruée sur... l'exarque et la ruée également sur la justicière. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, Magatha, parce qu'on joue pratiquement que des créatures. Et Velen, qui est le haut de curve. Provocation, et non le haut de cœur. Rald d'Agony déclenche les cris de guerre et Rald d'Agony de tous les autres Draenei que vous avez joué pendant cette partie. Donc ça reste quand même assez intéressant. Même quelques petits effets, ça reste très très cool. Donc on va voir ce que ça va donner. Je crois que je vais prendre le... Je vais faire une impression et comme ça je mettrai le deck sur le côté parce que je suis pas sûr que le tracker le... Ah, j'ai tellement de decks. C'est parti. Celui-là il me faisait envie. Enfin, un guerrier qui n'est pas contrôle ou un guerrier qui n'est pas combo. Parce que finalement, les guerriers, même les guerriers qui ne sont pas contrôle, ils étaient quand même souvent combo. On va dire agro-combo. Par exemple, le deck blessure, pour moi, c'est un agro-combo. C'était pas un vrai agro. Bon, je vais enlever Firestone également. Il va pas voir les cartes. Le gros naze. Ok. Jason Gamer HS. Je connais pas ce jeune homme. Bien sûr, bien sûr. Je garde T2, T3. Ça, c'est un peu lourd. J'essaye d'avoir un T1 ou un autre T2 pour pouvoir piécer. Après, il y a la combo, ça et ça. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin? Non, je crois que je vais faire ça. J'ai pas envie de garder le sort vu que j'ai la commandante. Ok, donc je peux faire T2, T2, T3. Vous jouez en second, donc vous obtenez la pièce. Utilisez-la avec discernement. Je pense que c'est le play, hein. Je vais jouer le 8-1. Ce qui fait que mon prochain, il sera 2-3 rué. 2-4 rué. Donc je peux tout de suite aller trade soit la créature qu'il joue. Ok. Je crois qu'on va trade. Hein. Comme ça, on a un beau value trade. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une carte, bon j'ai essayé d'expliquer toutes les cartes du deck, mais si jamais il y a des cartes... Oh, Libram évidemment. Ça, ça peut être bourrin. Aucune trace de vie intelligente. Aidez-moi. How about you?
Alors, ce qu'il a joué, c'est l'arme Libram, qui pour 3 et 2-3 cri de guerre, Hérald d'agonie, elle va réduire le coût des Libram jusqu'à la fin de la partie. Donc je pense que le deck Libram, c'est un deck un peu tempo, parce que les Libram, ça va être des cartes qui vont mettre des créatures sur le board, ça va être des boosts par exemple. Donc... Donc ça va être une bataille de board, je pense. Une offre à durée limitée. Ok, bon, il joue en voleur, évidemment. Et il a joué le Libram de clarté. Il pioche deux serviteurs. Si ce sort coûte 0, ça leur donne plus de plus 1. Ok. Ça me paraît pas mal, hein, avec ça. Insensible en attaquant. Je suis 5-10 et pendant son tour, je suis 10-5 pendant mon tour. Je fais des pyros, je mets des pyros dans le visage. Et pendant mon tour, c'est une 5-10. C'est magnifique ça. Ça, c'est incroyable. Donc lui, c'est le prochain que vous jouez, attaque immédiatement un personnage adverse. En fait, j'aurais pu faire ça, tout ça, mais c'était trop tentant de le faire tout de suite, et puis ça met des coups de pression. Hein. Là, mon tour, il est 10-5. Ouh. Je peux même le booster un peu, +3, +3. Faire, ouais, on va voir. Je pense que ce sera mieux ça et ça, mais... Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le Vélène. Il va faire un peu de value. Oh, il va le chercher. Hein. Là, il a joué la lueur d'espoir. Vous obtenez 3 Libram différents d'une ligne temporelle plus ancienne. Ça, c'est dès qu'on attaque. Hein. Ouais. Nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. Alors allez-y en premier. C'est sympa quand t'as la cramoisie, là. Ça fait vraiment comme un end buff. Mais un peu plus agressif. Bon, par contre, il fait une belle sortie, là, avec la réduction de Libram. Il a trouvé sa légendaire. Bon, moi aussi. Oh waouh, il est coquin. Oh waouh, il est coquin. Ça va être chaud. Hein. On fait une belle sortie, mais le match-up, je pense qu'il est pas pour nous. Hein. Les paladins Libram, ça a toujours été un bon deck contre aggro. Bon. Attends, on n'a pas l'étal là ? On attaque. Attaque immédiatement un personnage adverse, c'est aléatoire. Enfin, si ça va dans la tête, on a gagné, non ? Ça fait 7. Ça fait 8. 8 dans la tête. 8 et 9. 17. Donc en fait, je peux même faire un trade comme cela. Désolé, Petit Blue. Je travaille. C'est de la main. Pas grave. Je croyais que c'était sur le board. C'est de la main. Ça tape, hein. Merci Good Boys ID. Merci. Ça tape quand même. Oh non, c'est de la main, c'est nul. Bah après le VLN il va être fat. Hein. Merci Good Boys ID, merci beaucoup et merci NT Raphaël. Ouais, t'es en retard, mais c'est pas grave. Ah ouais, mais c'était sûr qu'il allait y avoir les Libram.
Merci beaucoup. Alors ça, c'est vraiment gourmand. Le prochain Draenei que je joue donne son attaque à mon héros. Boum! C'est n'importe quoi. Ouais, j'ai fait une bonne découverte. En même temps, j'avais fait une mauvaise découverte avant. Lumia. Ça, c'est une sacrée bonne carte. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué. Non, une fois qu'un héros, pardon. Pas du tout. C'est un vol de vie, 9-9 vol de vie pour 6, mais c'est un malus bonus. Une fois qu'un héros ou héroïne a subi des dégâts, il devient insensible. Donc en fait, t'es obligé de tuer directement le joueur. En fait, si je fais un coup de 5, il devient insensible. Mais je vais pas faire un coup de 5. Donne son attaque à votre héros. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, tu... Ouais, je pense que c'est une très bonne carte. Tu prends ton 16 en fait. Hein. Ah, la violence! Magnifique, hein. Ouais, je pense que Lumia, c'est une bonne carte, mais en même temps, c'est une carte de contrôle, quoi. C'est une carte excellente en contrôle, mais tu vas pas l'intégrer dans des N-buffs, par exemple. En fait, quand t'es en train d'agresser, ça, si tu la mets, tu vas perdre un peu d'aggro, mais... Belle game, ça. On garde l'arme. On n'a pas la pièce. Je veux l'arme T2. Lui, il reste cool. On va faire ça. Il fait quoi, Velen? Donc, 7 mana. Il a provocation. Quand il meurt, en râle d'agonie, il va activer tous les râles d'agonie et les cris de guerre des Draenei que tu as joués. Donc, par exemple, il va faire commandante. Il va activer la commandante, il va attaquer, il va activer le sergent, mais sur celui d'après, tu vois. Donc en fait, il va faire plein de trucs. Par exemple, les petits T2 qui découvrent un sort, hop, il va activer ça. Donc tour d'après, je vais avoir plein de setups sympas. Là, on va faire la commandante, hein. Ah, les vaisseaux. Les vaisseaux, Gandalf. Pièce de 3-2, pièce de vaisseau. Quelle violence. Prochain tour, on va faire ça. Le prochain Draenei que vous jouez donne son attaque. On 6, derrière on joue une 11-7 avec des effets qui va mettre... Non mais c'est n'importe quoi. C'est stupide. En même temps, une créature qui pour 3 mana est une 4-3 qui donne +2/+2 aux créatures de ta main. Mais dans quel monde ça existe en fait? Ah, est-ce qu'on partirait pas sur un truc plus tricky? Ça, ça a taunt, hein. En vrai, ça peut avoir rué, ça. Ça a fury. Je trade comme ça. Ça a fury des vents. Non, mais... Là, en fait, lui, j'ai pas expliqué, mais il gagne 2 effets bonus aléatoires. Et le prochain va aller gagner aussi. Alors, je pense que c'est peut-être le plus moyen des Draenei. C'est vraiment la 29e et la 30e carte. Mais en vrai, ça scurve quand même assez bien. Et puis, c'est vraiment un deck où on a envie de jouer que le mot-clé Draenei. Donc,
Donc là, Baby Beer, elle peut activer son loulou. Ça va lui coûter 5 mana et ça va être un... Okay. Le prochain Draenei que vous jouez attaque immédiatement un personnage adverse. Nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. Alors allez-y en premier. Désolé, petit bleu. Je travaille. En pleine face. Frappez. C'est violent ça. C'est pas possible que ce soit aussi violent. Il y a un humain en face. Les devs, je crois qu'ils ont quand ils ont construit les cartes, ils ont pas, enfin, ils ont oublié que quand tu jouais un deck, t'avais un humain en face avec des sentiments. Tu peux pas faire ça à un être humain. C'est n'importe quoi. Bah après, j'ai peut-être eu des très bonnes sorties, hein. Ok. Est-ce qu'on lui gagne très agressivement pour aller chercher l'arme et le cramoisi? Je pense, hein. Surtout que ça, contre contrôle, c'est moins intéressant. Je pense quand je fais un mulligan agressif. Et je veux vraiment les deux cartes de stats. Voilà, on a l'arme. C'est fou, hein. Salut Lord Lens, tu vas publier quelque part les decklists utilisés pendant cette... les games sympas et les decks sympas, je les proposerai sur YouTube à partir de demain. Et au début de chaque vidéo, de toute façon, il y aura une présentation du deck. Salut Shelby, merci beaucoup pour le Prime. C'est super gentil, merci à toi. Merci de ton aide. Ça, c'est vous obtenez une copie du dernier que vous avez joué. Ma main, elle est dégueu, hein. Là, pour le coup, ma main, elle est dégueu. Hein. Ah merde, mais c'est un Draenei, lui. Je crois que c'était le même que ça. Pas grave. Bon, en vrai, c'est pas si mal parce que je le garde en main, moi. Bon, j'ai fait une connerie sans faire une connerie. Tout moi quoi. Ça j'ai vraiment envie de le caler vite. Ouais. On fait ça et on le fait tout de suite. Et on va le buter. Et en fait on va la buter avec ça. Ça à son tour c'est une 2-11. Compliqué à aller détruire. Et pendant notre tour, pouf, ça met des 11 dégâts. Magnifique cette sortie. Hein. Arme T2, T3 justicière. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça d'AET. Mais là, c'est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai un trade gratuit, quoi. C'est honteux, hein. Il est infâme à aller chercher, hein. Franchement, je vois pas comment on peut aller chercher un... Quand tu curves avec l'arme... Mais j'en avais parlé ça pendant l'avant-première, pendant les vidéos reveal. Je vous avais dit cette combo-là, avec mon expérience du jeu, c'est pratiquement incontrable. Parce que si c'est un deck un peu aggro, tu fais une value de fou. Et si c'est un deck contrôle... Je pioche gratuitement. Non mais sans déconner.
Non mais... C'est un truc de barjo, hein. Il y aurait moyen de rentrer les riffs, tu penses? Non, c'est un sort. Pourquoi tu veux rentrer des sorts alors que les Draenei, c'est des créatures qui ont des effets de sorts intégrés? Pas besoin de jouer des sorts. Tu joues des créatures sorts. Surtout que là, je suis sous le dot de ça. Hein. Le prochain Draenei que je joue, ça me donne de l'attaque. Hein. Ah, elle peut raser le board. Bah, elle est morte quand même. Hein. Ah non, elle se heal. Bah, elle prend pas les dégâts. En fait, quand tu vas avoir le boubou divin là-dessus, ou tout à l'heure la furie des vents. Oh, c'est incroyable. Parce que c'est agressif, mais il y a plein d'autres decks qui sont agressifs. Mais c'est agressif avec des créatures pas tuables. Et en fait, t'as pas besoin de jouer beaucoup de cartes pour que ce soit hyper puissant. C'est un truc de gros barjo. Hein. Il y a vraiment... Je pense que ça sera... Il y aura des cartes nerfées. Alors les méta avant-première, elles sont évidemment toujours différentes des méta normales, mais des méta classiques. Mais bon, dans les avant-premières, il y a quand même que des bons joueurs. Quoi. Donc c'est quand même souvent des méta top légendes. Même si on essaye de mettre, enfin en tout cas moi je fais ça et je pense que les autres font ça aussi, on essaye de mettre en avant l'extension. Ouais, lui, il est vraiment broken. Lui, il devrait passer à 5. Ouais. Elle peut détruire le board ici. Hein. Elle peut gagner. Hein. Elle peut gagner, hein. Ce sera intéressant. Oh, c'est gros ça. Ah non, qui ne provenait pas de votre deck. Il y a pas mal de bonnes cartes là. Ne provenait pas. Hey, j'ai joué les. Non, mais ça c'est énorme, non? Ouais, j'ai généré quelques trucs, mais non, je pense que là j'ai perdu parce que j'ai mal joué. Parce qu'en fait, j'aurais pu, avec les petites créatures à 1, j'aurais pu ramener. Vous voyez? Donc là, je perds. C'est de ma faute. Parce que je peux ramener les cartes qui mettent de l'attaque. Vous voyez ?
les Draenei d'attaque. Donc là, je l'ai fait un peu comme ça parce que dans ma tête, j'avais gagné. Mais en fait, là, si je suis focus, je gagne. Là, je pense perdre. Salut Akpo! Parce que derrière, il y a lui qui récupère beaucoup d'armure. Mais c'est intéressant. Hein. Donc je suis désolé pour le bundle, mais c'est pas grave. On va y arriver à faire nos 3 wins d'affilée. Oh waouh, pas de chance là. Non, je pense qu'on va... Ah non, je vais lui laisser la game ici. Non, on va lui laisser la game parce que ça, on le voit pas, mais ça a provocation. Ouais, vous avez compris le play là que j'ai fait vite, mais si on se concentre, il est hyper intéressant. Parce qu'en fait, la créature qui n'est pas Draenei... elle ramène dans la main le dernier Draenei joué. Donc en fait, il faut arriver à la caler, en tout cas dans des match-ups comme ça, où on a besoin de burster finalement. Il faut juste la caler avant, juste après ce T5. Il était 5, hein. Non, il était 4 en plus, je crois. Avant ce T4 qui donne de l'attaque. Ok. Bon, 2-1 ou 3-0. Ça fait 2-1 dans les faits, mais... Ah, c'est dommage, hein. Mais c'est cool parce qu'on arrive à voir aussi les synergies très contrôle, très défensives du vaisseau. Parce que les vaisseaux, ils ont ramené 12 d'armure, et derrière, re-12. Ouais, je capitule pas parce qu'on n'a pas le droit de capituler en avant-première. Et là, je pense que vu le board, on avait perdu. C'est quoi qui pourrait être nerfé dans un deck comme ça? Le T4? Moi, je pense qu'il vaut mieux nerfer le T3. Le T3. Après, tu peux nerfer le T3 et le T4. Je pense pas qu'à me le garder en main. Plus immune. Ouais, peut-être. Ouais, mais ça fait un vrai changement de carte après. Il a quand même fallu que l'adversaire ait les réponses parfaites pour répondre à l'agression. Ah, c'est sûr. Et puis, encore une fois, j'ai joué très vite sans forcément réfléchir à mes patterns. Donc... Mais je pense que c'est incontrable. Hein. On va voir, hein, mais... Mais bizarre ce truc. Je pense que le deck, il est absolument incontrable. J'essaye de me souvenir des decks qui ont fait ça dans l'histoire du jeu. Et ces decks-là, ils ont été très rapidement bannis ou nerfés. Ah mais c'est n'importe quoi. Il y a des T2 qui sont déjà des 7-2 boucliers divins. Parce que lui, il a boubou divin. C'est déjà une 7-2 boubou divin. Quand lui va mourir, ça va être une 8-3 boubou divin. Enfin, en fait, c'est... L'adversaire, quel que soit l'archétype, il va pas jouer avec les mêmes cartes. Le Turbulus. On peut le trade, hein. Non, autant lui rentrer des dégâts dans la tête. Aucune trace de vie intelligente n'est présente. Laissez-toi l'éclair, notre chemin. Mais c'est hostile. L'arme ne devrait pas donner 1 d'attaque au lieu de plus 2. Non. Non, parce que quand même, c'est une... 2 d'attaque, ça va en fait. C'est juste que c'est les cartes derrière qui sont pétées. Ça me fait penser à Demon Hunter Prime au tout début. Ouais, c'était surtout les armes qui étaient fortes en DH.
Donc lui, il dit, une fois qu'il a attaqué, tous les autres serviteurs alliés peuvent attaquer à nouveau, sauf lui. Mais ça reste cool, hein. Puis là, c'est un 12-10, quoi. En fait, T5, tu joues des 12-10. Non, mais vraiment, c'est... C'est pas comme si c'était juste des plots. C'est pas comme si tu jouais démoniste et que tu jouais des géants sans capacité. Vous voyez, où tu te mets tout un setup pour T5 pouvoir jouer des 8-8. Ou T4, des 8-8, vous voyez. Ouais, je... On a créé un beau petit deck. En vrai, c'était un des deck building les plus faciles qu'on ait fait. Il y avait tellement de cartes bonnes en Draenei qu'on a, on a cliqué sur tous les Draenei presque de, du jeu. Ils sont tous bons, pratiquement. Ceux qui sont mauvais, c'est les anciens. Enfin, les anciennes cartes qui sont Draenei. Le prochain attaque immédiatement. Ouais. Ouais. Nous ne savons pas ce qu'il y a de... Bélène, alors allez-y. Nous avons un problème. En plus, j'active ça. Vers l'inconnu. Pas mal ça. Ça met 5 dégâts à tout et ça met 5 astéroïdes dans le paquet. Oh. Bah ça c'est pété hein. Après je peux me le faire maléfice mais... Il y a déjà un maléfice qui est passé. J'ai la sentinelle qui est cool dans tous les cas. Parce que lui c'est un Draenei aussi hein. Bon ce qui est normal c'est Velen mais... Ok, faut réfléchir s'il y a un monde où on peut peut-être gagner, non? Lui, il peut faire un trade en value. C'est pas évident. Je joue ça et un autre Velen et... Non? Quitte à faire un trade comme ça. Non, je peux le garder ça. Bon, il peut faire de la magie avec son carni, mais... On verra. Ça, c'est pas de la magie, hein. Enfin... Ah si, avec le... Ouais, je vois ce qu'il va... Ah non, il a pas les manas. Ah si, il a les manas s'il l'a pioché à deux. Je crois, hein. Il peut remettre dans le deck, piocher plusieurs fois. Non. Ouais, bon, ça c'est... Salut Mylouz, comment ça va?
J'ai joué super vite en vrai. Mais en fait, si je chopais un des deux, j'avais gagné ou face. Hélène, nous avons un problème. Bon, il est à 2, je découvre un sort. Il y a des cogniers hein, dans le jeu. Hein. de dégâts dans deux grenouilles, ça fait mal, c'est clair. Ah, j'avoue. Peut-être j'aurais dû commencer par la 2-1, mais là j'avais vraiment un setup de létal en fait, en jouant ce truc. Bon, ça revenait au même, remarquez. Je faisais la 2-1, si ça allait face gagner, si ça allait dans une grenouille gagner. Au moins, ça aurait rien changé, mais je prenais l'information de la carte. Ça pouvait être le prochain donne de l'attaque, vous voyez. Et je pouvais caler. Bon, après, l'avantage, c'est qu'au moins, on a lui sur le board. Il peut jamais faire d'AO avec un gars comme ça. Ah, ça laisse vraiment pas respirer l'adversaire. Hein. Ouais. Pour le moment, 3-1, c'est ça. 3-1 ou 4-0 si on est 1% de plus concentré. Je fais une petite dernière avec le deck. Je pense qu'on a compris que c'était pété. Les lois nous observent, même ici. La victoire ou la mort. Je crois que je vais garder le mécanicien, non? Après, j'ai la pièce. Ou alors, moi, je reste sur cette idée de mulligan très agressivement pour aller chercher mes deux cartes. Ok. D'ailleurs, on va pouvoir Gorgonzor Mou T2, je pense. T1, T2, T3. Qu'est-ce que tu penses des synergies de boost Draenei avec l'amalgame qui retourne dans le deck? Je pense pas que ce soit viable. Dans le sens où... Tu pioches pas, en fait, avec le deck. Tu pioches pas vraiment. Donc, même si tu mets un amalgame dans le deck, tu vas pas le retrouver. Les games sont trop rapides, tu vois. Donc ça n'a pas de sens. Dans l'idée, c'est bien, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça va être fort, ça, le fromage savoureux. Ouais, les cartes ont vraiment des effets débiles. Genre, une carte qui, pour 3, est une 3 cartes. Il dit que celui que vous jouez derrière attaque un personnage sachant que dans la curve de mana t'as ce gars là, c'est pas normal en fait. En fait, ça devrait être une combinaison du deck, mais pas on curve. Vous voyez l'idée? Par exemple, ça devrait coûter 4 avec plus de stats, pourquoi pas. Par exemple, ça, 4-5 pour 4 avec un effet comme ça. Comme ça, si t'as pas la pièce, tu peux pas curver les deux. En fait, c'est ça le truc. C'est que là, il y a tout qui se met parfaitement bien sans forcément réfléchir, quoi. L'idée, c'est vraiment, tu poses ton cerveau, tu mets un coup de pied dedans et tu balances tes cartes. Tout. La lumière change. Le temps s'écroule. J'ai envie d'aller chercher tout de suite le clair.
Comme ça, je bloque les beignets, les trucs comme ça, les cartes de value. Je pense que j'ai un deck qui peut aussi gagner à la value. En fait, les cartes sont tellement puissantes qu'elles vont demander une, voire deux ressources de l'adversaire pour pouvoir les gérer. Soit je gagne du timing, soit je gagne de la value, enfin du card advantage. Ouais, j'aime bien les decks comme ça. Hein. Enfin, moi, j'aime bien les decks forts, mais... Mais j'aime bien, c'est vraiment... C'est un deck de 2014, quoi. T'as un mot-clé, tu joues toutes les cartes qui ont le mot-clé. À l'époque, c'était Murloc, par exemple, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, ça marche super bien ensemble. J'ai pas tellement aimé l'époque où ça spammait mage mecha partout. J'espère qu'on va pas avoir la même chose. Non, bah de toute façon maintenant il y a des nerfs réguliers, il y a un gros groupe Discord avec les créateurs de contenu, les développeurs, tous les joueurs, etc. Où en fait dès qu'il y a un problème avec une carte, hop, quelqu'un poste le message et les devs ils travaillent tout de suite dessus. Donc c'est pour ça que les méta elles sont tout le temps bien équilibrées. Elles sont pas forcément équilibrées au moment où elles sortent dans le jeu. C'est compliqué. Le jeu, il passe de quelques devs qui bossent ensemble et qui jouent ensemble à des millions de joueurs. Donc forcément, les millions de joueurs, ils vont trouver des trucs que les devs n'ont pas trouvé. Bon, même si là, j'avoue que... Il n'y a pas besoin d'être non plus un génie pour enchaîner les Draenei et voir que c'est quand même très très fort, même. La question c'est, est-ce qu'on va dans la tête? On peut rentrer 15, là c'est totalement ubuesque. Hein. Ou alors on fait un truc un peu plus contrôle. Attends, mais le prochain attaque immédiatement? Ah non, mais c'est... Ouais. Peut-être je fais un truc un peu comme ça. Ah, c'est dommage de pas aller dans la tête. Mais bon, s'il détruit mon board, est-ce que je peux revenir? Je rentre quand même 15, je le mets à 8. Là, c'est vraiment dommage de faire ça, mais bon. En vrai, je pense pas que ce soit dégueu. Là, je peux faire un trade. Et sinon... Je fais ce trade... Non, là, je vais pas trade, par contre. Ah, quoique. Si, je vais trade. Ouais, mon choix est particulier, mais je l'assume entièrement. Pensez-vous que la classe prêtre va-t-elle enfin avoir des decks méta avec cette nouvelle extension? Va-t-elle enfin avoir des decks méta? Dans la méta précédente, le meilleur deck, c'était prêtre. Hein. En tout cas, là, sur cette ça fait quelques semaines que le deck qui a le meilleur win rate sur HS Replay, c'est prêtre sur plus de soins. Donc prêtre, c'est un des meilleurs decks de la méta. J'ai peur que prêtre contrôle ait du mal à revenir, vu les cartes. Par contre, prêtre sur plus de soins, il a gagné plein de cartes sympas. Si ton sergent... Ah ouais, avec ça, tu veux dire? Le prochain, attaque immédiatement. Attaque tous les... Ah ouais, en vrai, ça marche les deux. J'aurais peut-être dû faire ça et ça, mais c'est vrai, t'as raison. J'avais pas... Moi, j'étais vraiment sur cette la combo avec pour trade, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Bon, j'avais vraiment envie d'aller chercher la créa, mais t'as raison. Je peux faire sign, tout ça, et re-attaquer. Ah bah voilà.
J'ai presque l'étal, hein. J'ai 12 et 12, 24, c'est n'importe quoi. Une carte coûtant 1, vous obtenez... Ouais, je vais quand même trade cette Kai. Le fromage savoureux, il va vraiment être savoureux. Il est obligé d'aller chercher des... tuer mes cartes là. Quel est le dernier Draenei qu'on a joué? Ah mais ça montre en fait. Je crois que je commence par ça. Oh. Nos âmes sont éparpillées dans l'univers. Les choix sont vraiment pas évidents. Je suis pas sûr de faire les bons, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Des âmes héroïques qui instaurent l'ordre. Ah, j'hésitais. Leur tour, l'avantage, c'est qu'il fait piocher. Peut-être c'était la ruée, justement par rapport à la main tool. Je peux prédire votre avenir avant même qu'il ne se produise. Bon, ça, ça fait pas grand chose. Est-ce qu'on est... on a gagné là, non? 14. Le temps s'écoule. On a plus ou moins gagné. Désolé, vite et bleu. Ok. Ouais, la ruée était cool, mais... ouais. Bon, j'ai plein de moyens de gagner cette game. Bon, on va l'idée en tout cas, hein, ce deck-là. On finit à 5-1, on peut faire 6-0... Même les matchs comme ça où mes choix ils sont pas forcément justes,
en fait, tu arrives toujours à retomber sur tes pattes. C'est ça aussi, c'est la force des grands decks, quoi. Parce que là, j'avais encore plein de value. J'ai pris un Amon Tool de fou. Derrière, je peux remettre du board. En fait, ça s'arrête jamais. Et quand tu remets du board, tu remets du gros board en plus.